You're on the air. Oh. Et bon. Bonsoir et bienvenue à l'Académie Acadienne. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour ce soir. On est bien content, vous êtes avec nous autres. Le temps est beau, c'est chaud. Ça nous dit que ça va venir froid la fin de semaine. Et on dirait que le vent de carême a déjà commencé. C'était bien, le vent était bien fort aujourd'hui. Ça fait bien content que vous êtes avec nous autres. À soir, notre guest, c'est Amanda Lafleur. Bonsoir. Et elle vient de Villeplate et on va nous dire de tout ça. Elle était enseignée à LSU et tout ça. Ça fait bienvenue. Merci. On est content que vous êtes avec nous autres. Je suis bien fière d'être parmi vous autres aussi. Dis-nous autres un petit peu pour vous. Vous venez de Villeplate et vous êtes élevé dans une maison française. Comment vous ça intéressé dans la langue française? Ben, j'étais élevée à la Villeplate, mais pas dans une maison, où ça parlait français tous les jours. Parce que ma mère parlait français, mais mon père, non. Il parlait juste assez pour se défendre dans sa boutique. Ça fait, il vendait du linge d'homme, ça fait, il pouvait dire chapeau et souliers et chemises et des affaires comme ça. Mais il ne parlait pas couramment le français. Mais ma mère parlait couramment le français avec sa mère à elle et avec ses sœurs et tout ça. Ça fait dessus le fond, j'attendais le français. Et quand ses amis venaient pour visiter, pour parler, surtout si c'était une histoire intéressante et ça ne voulait pas nous entendre. T'écouter un petit peu plus ouais, près. Ça aurait été en français. Mais c'est ça qui m'a inspiré en partie, ma curiosité pour connaître ces histoires, mais aussi parce que ma grand-mère, que j'aimais un temps et tant, parlait français et je voulais comprendre quand elle parlait et puis je voulais pouvoir communiquer avec elle dans cette langue qu'elle a parlé. Elle parlait l'anglais aussi? Elle parlait anglais, elle parlait beaucoup mieux français, mais oui. elle était capable de parler en anglais, oui. OK. Ton père était de la Villeplate ou? Mon père était de la Villeplate et, enfin, l'affaire drôle, c'est que sa maman avait été formée pour être une maîtresse d'école, une maîtresse de français. Mais je crois pas qu'elle a enseigné beaucoup parce qu'elle s'est mariée dans ce temps-là, ouais, une femme mariée. Là. Enseigner plus. Ouais. Mes grands-parents du bord de mon père étaient beaucoup moins forward thinking. Ça imaginait qu'ils se sont dit, well, il va apprendre le français avec ses petits amis dans la rue, la rue de Villeplate. Ouais. Ça fait, on va parler juste en anglais à la maison avec lui et comme ça, il va maîtriser l'anglais puis il aura le français. Mais, enfin, les affaires déjà changer. Oui. Et dans le village, s'il avait été élevé à la campagne, peut-être, mais dans le village même, la plupart de ses petits amis, ça commençait à se parler en anglais à l'école. So, mon père, il arrivait à comprendre, mais il ne parlait pas couramment. Ça fait vous été à l'école en Villeplate, à Sacré-Cœur? C'est ça. Gradué là, et là vous avez été au collège? À LSU. À LSU, mm-hmm. OK. Et là vous avez enseigné le français. Dis-nous un petit peu de votre différentes faire vous avez fait en français pour votre ouvrage. Well, je vais juste te dire avant de faire ça, une autre chose qui m'est arrivée quand j'étais à LSU, c'était que dans ce temps-là, bon, ça aurait été les années 70, allons dire. Oui. Et puis déjà, les affaires de Cajun commençaient à être plus populaires qu'avant. Et il y avait un groupe de jeunes, d'activistes, qui étaient dessus le campus. Parmi eux autres, Ray Brasseux, que je suis sûre qu'il y a du monde qui le connaît, parce qu'il est assistant professeur à UL. Et David Clifton aussi, qui était professeur à UL et qui a travaillé pour la ville ici à Lafayette. Et puis Randall P. Watley, qui était un autre activiste. Robert LeBlanc, qui est un musicien. Et tout ce monde-là se retrouvait à LSU en même temps. Et on se disait qu'on essayait de
entre nous autres, valoriser le français qui était le français de la Louisiane. Oui. Parce qu'à ce moment-là, dans les classes à LSU, ça ne voulait rien attendre pour le français okay. cajun. Ça voulait nous corriger notre français. Ça voulait qu'on parle correctement. Oui. Ça fait, on a essayé de répondre un peu à ça, à pousser un peu pour dire qu'il y avait de la place oui. pour les deux. Et donc, j'ai été beaucoup inspirée par ce monde-là. Ah. Et ça fait que quand j'ai commencé à enseigner, je m'ai servi de ces principes et de ces idées-là quand j'ai développé mes cours. Et mes premières années d'enseignement étaient dans la paroisse Saint-Martin pour un programme qu'on appelait Federal Bilingual Program. Et mon job était d'aller dans les classes et de voir ce que la maîtresse enseignait à n'importe quel moment. Et si jamais, par exemple, elle faisait une leçon de science sur, je ne connais pas, les parties de la plante, eh bien, moi, j'allais renforcer tout ça, mais en français. Si elle enseignait la multiplication, je faisais ça, mais en français. Si elle enseignait l'histoire du premier Thanksgiving, je faisais ça aussi. Vous allez à la demande de la maîtresse ou de le maître ou c'était un programme? On était beaucoup gâtés. On m'a donné le temps, une partie de mon job, c'était d'aller dans la classe, d'observer ce que la maîtresse faisait, puis de discuter avec elle et puis de planifier mes leçons en fonction de ça qu'elle faisait. Ça fait, on travaillait ensemble. C'était une beaucoup bonne préparation pour moi parce que j'ai pu observer parmi les meilleurs enseignants, les meilleures maîtresses. Oui. J'ai pu observer des affaires qui étaient peut-être pas si bonnes, mais c'était bon de faire les deux. J'ai appris vraiment j'ai appris avec du monde qui était là après faire le job. Ouais. Vous avez cru que tu aurais été une maîtresse de français? C'est ça, tu as commencé à LSU pour être une maîtresse de français? Non, j'ai commencé en journalism. OK. J'avais l'idée que je voulais écrire et un jour, je suis rentrée une fin de semaine à la maison. Je commençais à parler avec mon papa. Il me dit, écoute, j'ai parlé avec tel ou tel qui était un newspaper man. Il dit, il n'y a pas d'argent là-dedans. Il dit, tu vas crever de faim si tu essaies d'être un journaliste, un journaliste. Ça fait, quand même, à ce moment-là, je commençais à faire plus de cours avancés à LSU et j'aimais beaucoup ça. Ça fait, j'ai dit, OK, well, si, je ne vais pas faire journalisme, mais j'ai changé pour le français. Et même pas French education, mais juste français. Ça fait français, oui. Ça fait ça non plus, c'était pas... Non, t'aurais crevé de faim de J'aurais ça aussi. J'aurais crevé de faim quand même. J'ai juste échangé pour ça. Et finalement, ça m'a servi parce que j'ai fini par faire beaucoup d'écriture. J'écrivais, je composais des articles pour différentes affaires dans ma carrière. Donc, j'ai pu avoir un peu ça comme une partie de ma vie quand même. Ah, mais c'est beau. Là, après Saint-Martin, vous êtes venu à Lafayette? Ben après Saint-Martin, j'ai quitté un an pour aller étudier au Canada pour un an. J'ai pu bénéficier d'une bourse, un scholarship qui était offert par le gouvernement canadien. Et j'ai fait un an au Nouveau-Brunswick. Ah! À l'Université de Moncton. Moncton, oui. Et ça, c'était une magnifique expérience. Et à ce moment-là, j'ai pu aller visiter dans les classes d'immersion dans les écoles au Nouveau-Brunswick. Oh, et après ça, et surtout après ma propre expérience où j'ai appris le français en immersion avec Middlebury College, j'étais convaincue que vraiment la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est d'être immersed dans la langue. C'est de parler cette langue tout le temps avec tes élèves, avec tes étudiants. Et d'avoir ça autour de toi à tout moment. Ça fait, je suis rentrée, j'ai passé un an au cours de fil où j'ai travaillé. Et là, j'ai écrit un tas de communiqués de presse, j'ai fait mon journalisme. En français? En français et en anglais. Probably.
Mais après ça, il y a un job qui s'est ouvert à Como High School et ça cherchait une maîtresse qui pourrait donner des classes de français, mais aussi donner une classe de français cadjet. Ah. Là, j'ai sauté dessus Oui. et j'ai eu ce job-là. Et ça, c'est là où j'ai trouvé ma passion. OK. On va continuer, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, appelez 337-366-8951 et on va continuer de parler. Là, après ça, vous avez été à LSU pour être J'ai passé à peu près 10 ans à Como High. Et après ça, j'ai aussi cabalé avec plusieurs personnes dans la paroisse, plusieurs personnes qui voulaient vraiment voir l'immersion se faire créer dans la paroisse Lafayette. Et on a réussi. Et déjà, à ce moment-là, l'immersion partait. Et j'ai décidé de quitter Como High pour aller travailler dans l'immersion. J'ai fait ça un an et demi, puis j'ai commencé à travailler dans l'administration de ce programme. Et ça a continué. On avait un grant pour financer le job que j'avais de coordinatrice des programmes d'immersion. Et j'allais justement, quand ce grant a fini, j'allais justement reprendre l'enseignement quand on a eu un appel de LSU. Et c'était un professeur que j'avais rencontré à un moment donné à LSU, une jeune femme qui a dit, Well, on est après chercher quelqu'un, on veut commencer un nouveau programme à LSU, enseigner le français louisianais dans des classes de français à LSU. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait faire ça? Et j'étais comme, Mais Non, mais c'était mon rêve, c'était un rêve, ouais. surtout quand je pensais à comment ça avait été quand j'étais une étudiante à LSU et comment on avait battu, on s'est battu pour faire ça. Et puis enfin, des années Venez, après, ouais. ça allait être là, sur place. Ça fait, j'en ai discuté avec mon mari. Malheureusement, c'était un job d'instructeur qui ne payait pas et tant. Enfin, c'est payé moins que ça que je gagnais Ah, ouais. dans la paroisse de Lafayette. Mais j'en ai discuté avec mon mari. Je dis, écoute, j'aimerais bien faire ça. Je dis, tu ne crois pas, je pourrais peut-être le faire comme 2 ans, juste pour lancer le programme, essayer Commencez. de créer le matériel pour enseigner tout ça. Et puis après, je vais reprendre mon enseignement dans Lafayette et puis gagner un peu plus d'argent. Ça fait, il dit, oh ouais, faut que tu le fais. Ça fait, je suis partie à LSU et les 2 ans a devenu 17 ans à peu près. Et j'ai fini ma carrière à À LSU. LSU, Ouais. ça fait, mais tu restais ici à Lafayette, ça Ouais, fait, j'ai fait tu le connaissais chemin. le chemin, bon, Je connaissais bien le chemin. oui, ça fait, Ouais. mais, bien bon, mais, à soir, un des les projets qui m'intéresse, c'est, Madame Lafleur a travaillé sur ce dictionnaire, et je suis bien intéressé pour apprendre comment tu écris un dictionnaire. Ça fait, si vous pouvez, dis-nous un petit peu de ce projet, que ce n'était pas un projet de juste 1 ou 2 ans, c'était un Oh. gros, gros projet, mais dis-nous un petit peu de ça. Ben, le dictionnaire a été, c'est pas le premier dictionnaire comme tu connais du français louisianais. Et il y a eu plusieurs projets à travers les années, pendant les années 30 et 40 et jusqu'à les années dans les 50. Il y avait un professeur de français. Dans ce temps-là, je pense qu'on appelait cette discipline-là philology, où on discutait l'histoire des langues et des vieux mots et tout ça. Et ce professeur avait donné à ses grad students des projets d'aller chercher des mots qui étaient différents dans leur paroisse. Ça fait, il existe un monde, je ne connais pas, une bonne douzaine de ces master's thesis qui contiennent. C'était à USL, C'était à LSU. à LSU. À OK. LSU, il en existe à UL aussi, mais il y avait un professeur, ça me fait de la peine, mais je ne peux plus me rappeler son nom, qui a
qu'a mené ses étudiants à faire ce genre de travail. Ça fait déjà, il y avait de la recherche qui avait été faite. Et puis, je crois qu'un tas de monde qui regarde ce programme connaît le dictionnaire du Père Degg. Le dictionnaire du Père Degg avait été un travail proche miraculeux, juste dans le sens que c'était vraiment le travail d'un homme. Et un homme qui était pressé pour faire un travail avant de mourir. Mais il y avait certains problèmes avec ce dictionnaire, vraiment dans le sens que lui, il avait aussi l'idée qu'il aurait voulu, comment dirais-je, élargir la langue française en Louisiane. Ça fait, il a mis non seulement des mots qui étaient des mots louisianais, des mots cajuns, mais s'il y avait un mot qui n'existait pas en cajun, il aurait ajouté ça dans le dictionnaire pour dire, mais OK, on va ajouter ça, comme ça il y aura un autre mot que les Cajuns pourraient utiliser. C'était une idée noble, mais ça mène un petit peu à la confusion parce que quelqu'un va venir ouvrir son dictionnaire et dire, oh, well, ouais, ça c'est un mot Cajun et C'est pas. c'est pas toujours le cas. Ah. Mais ceci dit, c'est quand même un travail énorme, il a travaillé dessus. Et l'important, c'est qu'il a documenté tout ce qu'il se rappelait. Et il avait un beau vocabulaire, en plus un vocabulaire de prêtre, de religieux, avec certains mots je pense aux mots comme ondoyer, qu'un tas de monde n'aurait pas connu. Tu connais le mot ondoyer? Non, moi je ne connais pas. Ondoyer, c'est assez spécial. C'est quand, tu te rappelles, dans le vieux temps, on disait que si un enfant, un bébé mourait, sans être baptisé, qu'il ne pourrait pas être sauvé. Ça fait, dans ce temps-là, n'importe qui, Ça ça pourrait. prendait pas un prêtre, n'importe qui pouvait prendre de l'eau, du crachat, n'importe quoi, et Baptiser baptiser l'enfant. un bébé qui était en danger de mourir. Ça fait, le mot pour ça, c'est ondoyer. Ondoyer. Et c'est ça, c'est un mot spécial et c'est un mot liturgique parce que c'est très spécifique à la religion catholique. Ça fait, quand on a travaillé dessus ce dictionnaire-là, il y a une femme qui m'a raconté tout simplement son histoire, comment un de ses enfants, un bébé qui avait été né beaucoup faible, ils n'étaient pas sûrs si le bébé allait vivre ou non, et comme par hasard, l'évêque passait dans l'hôpital à ce moment-là, et puis elle m'a raconté, et puis elle me dit, et puis c'est l'évêque qui a endoyé mon bébé. Ce qui était drôle parce que, bon, si, forcément, si c'est l'évêque qui le C'est fait, c'est vrai, pas vraiment. je pense qu'il l'a baptisé, mais. Mais c'est juste pour dire qu'il avait un vocabulaire spécialisé que d'autres mondes n'auraient pas, normalement. Et quand Père Degg a écrit son dictionnaire, c'était dans les 50, les 60, Oh non, non, ça aurait été dans les années. Allons voir, ça aurait été dans les années 80, je crois. 80, Oui, parce qu'il me semble que déjà, je travaillais à Komohai, il m'a envoyé une copie de son dictionnaire qu'il avait dédicacé, j'étais contente. Et je crois bien que c'était dans les années 80. On n'a pas le dictionnaire avec nous Non, autres. non, mais... Peut-être que quelqu'un va nous Oui, appeler pour peut-être dire quelqu'un va nous la dire. date du copyright. Richard, si tu as gardé le programme, tu as un dictionnaire de Père Degg. Garley, Dites-le. dis-nous et quand c'était Ça fait, ce dictionnaire-là, c'est un projet qui est. Et en plus, on a un mot, le mot est idiolecte. Et idiolecte, c'est comme le mot dialecte, ça veut Oui. dire la manière de parler d'un certain groupe. Okay? Donc, Oui. on a un dialecte parfois d'une certaine région, dialecte de la Ville-Plate, dialecte de la Pointe-Noire. On a parfois un dialecte de différents groupes de Oui. personnes, etc. Mais on a aussi ce mot qui est le mot idéolecte. Et idéolecte, ça veut dire c'est le parler de une personne. Ah. Et donc, le dictionnaire du Père Degg, en quelque sorte, représente son idéolecte Ouais, de lui. à lui. Donc, Oui. c'est quand même un bijou, mais on voulait élargir ça et représenter le parler de toutes les régions ayant à parler français en Louisiane. Et donc, ça, c'était les origines de ce projet-là. Et tu demandais comment ça se faisait que quelqu'un d'Indiana aurait été impliqué. Oui. Eh bien, Albert Waldman,
je ne devais pas dire était parce qu'il est toujours avec nous autres, Albert Volman est un linguiste, un spécialiste dans la langue créole. Et il était venu ici, il est venu plusieurs fois en Louisiane, mais une fois il est venu, il a rencontré Richard Guidry, qui avait fait une conférence, un meeting qu'on avait. Il a attendu Richard parler, expliquer un peu différentes différences régionales, etc. Et il était intéressé par le créole parce que ça, c'était sa spécialité. Et il était linguiste, mais aussi il était lexicographe. Un lexicographe, c'est quelqu'un qui fait les dictionnaires. Et oui. Il avait été responsable pour le gros projet de dictionnaire à Haïti. Bonsoir, l'Académie acadienne. Mais bonsoir, comment ça va? C'est bon. Le livre de Père Daigle. Oui. Et ça dit, la première édition, c'était... Dans 1992. Oh, 92. Ah, OK. Déjà plus 1992. Tard que ça. Says, wait, hold on. But up here it says, ici, ça dit, the first printing was in 1984. OK. Là, c'est plutôt ça. OK. Ouais. Ça fait. Et vous êtes à me faire bien. On parle très bien français. Mais bien, merci, Dad. OK, mais. Merci, madame. Bye-bye. OK. Bye-bye. Ça fait, c'était dans 1980. Oui, mais ça, ça pour, tombe. Pour Père Daigle, oui. Père Daigle. Oui, ça fait... Ce projet a commencé, ben, Volman, donc il voulait, comme il dit, tâter le terrain, juste voir un peu ce qui existait toujours comme créole dans la langue. Ça fait, il m'a engagé, moi, parce que je connaissais une autre femme qui s'intéressait... à la langue créole. Et il a engagé plusieurs personnes pour aller juste faire des enregistrements, des recordings et collectionner des mots en créole. Oui. Je ne parlais pas vraiment créole dans ce temps-là. Oui, créole, c'est une différente langue. C'est une différente, mais le créole qui est parlé à Saint-Martin, quand même, est beaucoup marqué par le français. Ça fait, oui. Si tu peux arriver, si tu écoutes bien, tu peux arriver à comprendre. Oui. Ça fait, c'est comme ça que j'ai appris à parler créole. C'était juste en travaillant, on allait rencontrer du monde qu'on enregistrait. Je demandais qu'ils parlent pour différentes affaires. Et on a commencé à collectionner des mots. Et donc, le premier projet que Waldman a mené en Louisiane, c'était le dictionnaire du créole louisianais avec Tom Klingler. Okay. Et Margaret, Meg Marshall, et j'oublie qui d'autre, mais c'était surtout Tom Klingler. Pas des noms cadiens. Mais non, c'est du monde, on a eu de la chance que Tom et Meg sont venus travailler ici. J'ai connu Meg parce qu'elle avait été un de mes professeurs à LSU. Ah, OK. So, eux, ils ont créé le dictionnaire de Louisiana Creole, et par la suite... on s'intéressait à faire un autre dictionnaire et Dr. Waldman, parmi ses talents, il s'est allé chercher de l'argent auprès du monde qui est intéressé par ses projets. Ça fait qu'on a eu une subvention, un grant pour, je ne connais pas, c'était peut-être 3-4 ans pour lancer le projet. Oui. Mais, encore une fois, un projet de 3-4 ans, on a découvert, puis on a découvert, puis on a découvert, et puis il y avait beaucoup. On a découvert que la langue était beaucoup plus riche qu'on imaginait. Et il fallait envoyer du monde dans chaque paroisse pour discuter, pour chercher des mots. Les différents dialectes. Exactement. Ça fait le projet, on a fini par travailler 11 ans, avant de vraiment commencer à rédiger ça que tu vois là devant toi. Wow. Et on aurait pu, comme je t'expliquais tout à l'heure, on aurait pu continuer encore, mais... Il y a toujours cette question de temps, parce que plus longtemps tu espères, plus tu as préparé du monde, perdre les gens qui parlent la langue, qu'on veut parler avec, mais aussi plus il y a du monde qu'oublie. Ça fait à un moment donné, il faut dire, hey, c'est l'heure. On oublie, oui, c'est l'heure à finir. Il y a toujours d'autres choses à chercher. Ça fait, vous autres, aller dans les différentes paroisses et visiter avec des mondes, comment...
T'as mieux à connaître tout ce monde. Comment tu les... Well, tu connais, j'ai écrit, je vais te dire un peu comment j'ai fait avec ce livre-là, Ton âme okay. chien. Est, ça, c'est, ça, c'est un livre que j'ai publié en 99. Okay. Et ce livre-là, c'est un petit livre d'expression. C'est des expressions que le monde utilise. Tu sais, comme ton âme et chien. Oui, comme, oui, oui. Et, ah, voilà, ton âme et chien. Et ton âme et chien, je vais t'expliquer parce que c'est un peu la même méthodologie, oui. mais là, le dictionnaire, c'est un peu plus sophistiqué. Mais ce que tu fais avec, tu commences avec quelque chose, avec une liste de, d'expressions qui va en quelque sorte prime the pump. Ça fait, moi, je mets assise avec Brenda Mounier et d'autres personnes, on a créé une liste d'à peu près une vingtaine de, d'expressions. Et puis, j'ai commencé à chercher du monde qui aimait parler français, du monde que moi, je connaissais. Ouais. Ah, okay. Et j'ai demandé à des amis, tu ne connais pas quelqu'un à Caroff ou quelqu'un à Welsh ou quelqu'un à Oberlin ou différentes places. Et puis, je partais avec ma petite liste de 20, mots, de 20 expressions. Et je disais, monsieur, tu n'as jamais entendu l'expression « vieux comme les rues ». Oh, well, non, on dit pas ça, on dit vieux comme jadis, on dit da-da-da. Ou tu connais l'expression croche comme un baril d'hameçon. Croche comme un baril de serpent. Well, nous autres, on dit croche comme un baril d'hameçon. Ça leur donnait des idées. Oui, oui. So, de ces 20 expressions, à force de parler avec le monde, j'ai fini avec 2000 expressions. So, juste pour dire, c'est un peu ouais, comme ça. Ouais. Mais l'autre affaire, c'est que ça qui est important dans tout ça, c'est à tester. Oui. Donc s'il y a juste une personne qui connaît l'expression, tu dois te dire, well, est-ce que c'est une création de la personne? C'est pas pour dire que c'est pas une bonne expression, mais c'est pas quelqu'un qui est courant, c'est quelque chose qui est courant. Oui. Même chose pour les mots. So, on avait une liste de mots, on commençait avec des mots. Parfois, on travaillait avec des portraits. Par exemple, j'avais des gros portraits avec toutes sortes d'outils ou des farm implements ou des affaires que tu avais dans ta cuisine. Et je cherchais des gens qui avaient des connaissances dans ces domaines-là. Ça fait, j'ai été parler avec quelqu'un qui faisait de la charpente pour parler de comment tu, parles, ouais. tu décris les parties d'une maison que tu as pré-bâtir, comment tu appelles ces outils. Okay. J'ai parlé avec une dame qui aidait à accoucher les enfants pour parler de comme tous les mots qu'avait à faire avec l'accouchement. J'ai parlé avec du monde qui maudisse. Pour parler de quand des mots pour coudre, pour discuter oui. l'affaire de coudre. Donc, moi, je faisais ça de mon côté. J'avais certaines paroisses. Puis Tom avait d'autres paroisses. Barry Anseley avait d'autres paroisses. Et on travaillait comme ça. Ah, OK. Mais l'autre affaire, c'est qu'on voulait vraiment, dans notre dictionnaire, à quelque chose que le père Daigle n'a pas eu le temps de faire, c'est qu'on a des exemples. Oui. De comment le mot est usé comme un vrai dictionnaire. Dans la vraie vie. Ah, OK. So, ça aide les gens à les mettre en contexte, si tu veux. Là, on avance tous les mots en français, mais là, en arrière, là, des mots en anglais, tu peux garder pour connaître comment on dit ça en... Oui, mais il faut faire attention parce que il y a du monde, c'est pas un vrai French-English dictionary. Non. La partie en anglais en arrière, c'est ça qu'on appelle un index, OK? Okay. Et ça a été tout généré par ordinateur. Ce qui fait que les mots, je vais te donner un exemple. Oui. Si tu prends le mot pour house, OK? Oui. C'est un exemple que j'utilise souvent. OK. Si on cherche dans le côté house, et ça, c'est... Il y a du monde qui est frustré avec ça. Le monde qui ne connaît pas un tas le français vont dire, « Oh, but it's not a good dictionary because I can't... » Mais ça a quand même l'avantage d'avoir tout ce qui est là-dedans au bout de tes doigts. Par exemple,
OK. Tu vois le mot house? Oui. Tu vois le premier mot pour house? Oui. C'est un mot que tu connais probablement. Non, Cambuse. Moi non plus. C'est oui. pas, et c'est un mot qui est assez rare. C'est un mot. But pourquoi est-ce que c'est le premier? C'est parce que c'est en ordre alphabétique. It's the only reason. OK? So ça que l'ordinateur a fait. L'ordinateur a oui. fait ça en ordre alphabétique. Okay. Ça fait, si tu connais le français, l'affaire à faire, c'est de chercher Cambuse et puis de regarder en avant et oh, dire, et puis ils vont dire, oh, well, ce mot est juste utilisé peut-être, je ne me rappelle plus, peut-être dans la paroisse Iberville ou oui, quelque chose oui. comme ça. Ah. Deuxième mot, c'est le mot habitation. Habitation, oui. Ben, habitation, c'est vrai, it's a house, but c'est spécifique, hein? It's a farm house. Oui. But le computer aurait généré ça parce que le computer aurait été cherché dans toute la partie française et chaque fois que le mot house ah. était mentionné, tu vas trouver tous les exemples. Ah, okay. Ça prend un peu plus d'ouvrage oui. pour ce dictionnaire, mais ça a le potentiel d'être une expérience beaucoup plus riche. Ça fait, tu regardes, puis il y a la maison de bout oui. et puis il y a la maison, enfin. Ça, c'est la partie qui est, ça, c'est le caveat. Oui. C'est que tu ne peux pas juste dire, oh, well, this is the English section, so I'm going to look in the English section. Il faut trouver le mot ici, et puis regarder l'autre côté dans la partie française, regarder les exemples. Ça fait, si on cherche Cambuse, je ne me rappelle plus. Il y a du monde qui croit que je devrais me rappeler tous les mots parce que Mais j'ai aidé à l'écrire. Il y a plusieurs mots dans ce livre. OK, allons voir. Cambuse, building. Oui. Et tu vois, le premier sens de Cambuse, c'est même pas maison, c'est building, oui, building. Or house. Être toujours dans la Cambuse, to remain cooped up in the house. C'est la paroisse Saint-Jacques. Saint-Jacques. Et la paroisse des Avoyelles. Donc, c'est assez particulier. C'est connu oui. dans juste deux paroisses précises. Donc, on dirait... Ça, tu peux savoir. Alors que si tu cherches le mot maison, ça fait le dictionnaire dit et le mot est plus usé que paroisse. Yep. Parce qu'on a des différents dialectes juste dans Kérien. C'est ça. Mais attention, l'autre affaire, encore une fois, il faut comprendre la science parce que si un mot, allons voir. OK. Maison. C'est un exemple assez banal. OK. Maison est là. Et tu vois qu'en maison est en Saint-Landry, Vermillon, Terrebonne, Lafourche, Lafayette, oui. etc. Mais il y a peut-être une paroisse qui n'est pas là. But ça ne veut pas dire que le mot maison n'est pas connu dans cette paroisse. Oui. Ça veut dire tout simplement que nous autres, on ne l'a pas trouvé ou on ne l'a pas attesté. Et on ne l'a peut-être pas demandé, tu sais, des exemples. Mais maison, c'est un mot qui est assez ordinaire qu'on n'aurait pas pris beaucoup de temps pour aller chercher beaucoup d'exemples pour maison. Yeah, pour maison. Alors que Cambuse, je suis sûre qu'on l'a testé plusieurs fois et là, on peut être pas mal sûr que ce n'est pas un mot qui est beaucoup, beaucoup connu. Tu connais? C'était du virage dur. C'était, tu vois tous mes cheveux blancs? La moitié de ces cheveux blancs, c'est mes enfants. Et l'autre moitié, c'est le dictionnaire. Mais j'adore mes enfants et j'adore le dictionnaire et le travail qu'on a fait pour. Ça fait, je ne regrette pas ça qu'on a fait. Je pense oui. que Barry dirait la même chose. Et Richard, je suis sûre qu'il a appris à dire la même chose aussi. Et oui. tous les autres membres de l'équipe. Ça fait, vous étiez plusieurs qui allaient à des différentes paroisses. C'est ça, on a partagé un peu le travail. Et okay. puis, ça qui était bon, c'est que moi je ne suis pas linguiste oui. par formation. Et Barry non plus, Richard non plus. On était les trois Louisianais qui faisaient partie du groupe. Les autres, Tom est plutôt spécialiste pour le créole. Mike est plutôt spécialiste pour le français dit colonial, des vieux mots, etc. Oh. Et aussi des nouveaux mots, des néologismes, des mots nouveaux. Ça fait, on avait, Kevin a passé beaucoup de temps, Kevin, il n'est pas d'ici, mais il a passé beaucoup de temps dans les paroisses
La Fouche et Terrebonne. Ça fait ça, c'était un peu oui. sa région, sa spécialité. But ce qui était bien, c'est qu'on avait des linguistes et on avait aussi des enseignants, des pédagogues qui allaient utiliser ça dans nos classes. Et on avait trois Louisianais de trois places différentes. Richard vient de l'Ouest. Oui. Moi, je viens plus du nord, nord, paroisse évangélique, et Barry de la région de Lafayette et la Pointe-Noire et tout ça. So, ça qu'on a fait, une fois que les linguistes ont organisé chaque article, ils nous donnaient les brouillons, the drafts, et moi, Barry et Richard, on s'assisait à la table de cuisine dans ma maison et on discutait pour voir, OK, est-ce que les exemples sont de bons exemples? Ah. Sinon, est-ce qu'on va aller chercher d'autres exemples? Sinon, est-ce qu'on a déjà attendu quelqu'un dire telle ou telle affaire? So, pour pouvoir avoir des exemples qui reflétaient et qui représentaient la vaste diversité de la Louisiane. Bien intéressant. C'était publié dans 2010, je crois que j'ai vu. C'est sorti décembre 2009. Non. Ça fait, il y a quelques copies qui disent 2009 et d'autres qui disent 2017. Ah, okay. Je sais pas comment ça se fait comme ça, mais c'est ça sorti. Ils sont toujours après... Svon et faire des nouveaux livres, et ça va, ouais, ça va toujours? Ça va toujours. Bonsoir, Monsieur Simon. Comment ça va? C'est bon, et vous? Ça va magnifique, je te préfère un bon job. Mais bien merci. Et Alan était un de nos gros témoins. J'ai passé beaucoup de temps à ma cuisine, à la table de cuisine avec Alan. Ça fait un tas des exemples là-dedans. C'est les mots à Alain Simon? C'est les mots, ben, pas juste les mots, mais les phrases à Alan. Ah. Ouais. Merci encore. On l'a perdu. Si tu veux parler plus, appelle encore. Mais ça fait, ouais, vous autres, trouver juste du monde, aller visiter. Le monde était content de vous avoir dans leur maison et parler le français. Et je crois que tout le monde qui a travaillé dessus ce projet a eu la même expérience, c'est que la générosité du monde qui nous recevait, c'était vraiment. C'était une affaire à... Check the phone. Hmm? Comment? Check the phone and see if it's working. Okay. C'était une affaire incroyable. Je passais parfois, je me rappelle une fois un monsieur, c'était à Cutoff. Glenn Pete m'avait donné son nom. Et il ne me connaissait pas du tout, ouais. du tout. Et Glenn ne le connaissait pas trop, trop bien non plus. Mais il m'a dit, si tu veux parler pour la pêche et tout ça, va voir monsieur... Je ne me rappelle plus son nom à cette heure, ça me fait de la peine. Et voilà, Alan. Okay. OK, Monsieur Simon, on va essayer encore. C'est bon encore, Thérèse. C'est bon, c'est bon. Je te prépare un bon job. Je veux dire, man, la chose qu'elle a décanillée, qu'elle a trouvée, qui m'amuse, qui me donne grand plaisir, c'est quand elle a parlé à un vieux bourg, un vieux habitant à côté de Saint-Martin, qui a expliqué la part. Pour cacher fouette? Mais il faudra que tu me rappelles, Alan, ta mémoire est toujours meilleure que la mienne. Ouais, je veux dire quoi? On jouait hide and seek dans la pression cacher fête. Cacher fête, ouais. Ben, on savait pas où c'était la racine, l'origine. Et quand tu as parlé de cacher fouette, c'est une variante. On a une idée, c'est peut-être là où on a pris ça. C'est possible. Oh, c'est fort possible. On doit toujours faire attention pour les origines des mots et des expressions. Ça fait je veux pas me prononcer là-dessus. C'est fort possible. Ça a du bon sens de penser que cacher fête serait venu de cacher fouette. Mais j'ai jamais pu vraiment trouver le lien exact, mais ça a du bon sens. Mais ça prend un magician pour prendre une vieille langue orale et faire de l'esprit avec tout ça. Ouf! Ça... Il y a
des différentes places, ça peut être ça différent. Ouais. Et moi, je connais ça. Tout le monde dit, j'ai péché, j'ai fait la charge, j'ai parlé du vieux monde de différentes places. Ça fait. C'est comprenable qu'on a toujours des mystères. Mais oui. Oui. Ouais. Ça vous a tant fait, comme dit le beau, c'est bien fait. Et on ne va pas mépriser ça du tout. Merci beaucoup. C'est bon. Tu vois ça? C'est... On l'aime. Quand moi j'étais petit, je ne croyais jamais qu'on aurait eu autant de monde intéressé, donc préservé, parlé, enregistré le français. Ça n'existait pas. Oui. Quand moi j'étais au collège à Lafayette, j'ai fini high school et je voulais étudier le français, tout quelqu'un disait « Oh no, that's too hard. That's the reception we had. Wow. You know? Because, you know, the coming from our Cajun to the written French was a big step, you see. And a lot of people could have done it. Mais on a été découragés. Ben, heureusement que toi, tu as fait ça que tu as fait avec tes petits comptes, par exemple, et le programme pendant des années, parce que ça a continué, ça fait que le monde n'a pas oublié ces expressions à force d'en parler. Yeah, mais ça c'était, moi j'ai compris bien jeune que les vieux mondes étaient occupés, ils avaient d'autres choses à faire qu'expliquer tout l'affaire à les enfants à chaque fois. Ça fait quand ça disait un de ces vieux ditons, ça couvrait tout l'affaire, fini avec ça. Ouais. Oui, parce que quand c'était ma mère disait souvent, quand elle demandait quelque chose, elle avait expliqué déjà, elle dit le prêtre dit pas la messe deux fois. Ça voulait dire une autre fois, quand je vais dire quelque chose, écoute-moi bien. Oui. Ça fait, c'est un tas d'échanges que, pour moi, on va préserver, on va passer quelque chose à les jeunes, le monde qui va venir après nous autres. C'est vrai. Une langue qui est juste orale, c'est plus de misère pour préserver. C'est vrai. Si on a le soutien... Ce gros dictionnaire, j'appelle ça une encyclopédie. Et moi et ma femme, on tient occupés. C'est bon. Ben, écoute, lâchez pas la patate. Merci. Bien, merci. No, yeah, bonsoir. Bonsoir. Yeah, j'ai reçu un... Oh. Oh. Bonsoir, l'Académie cadienne. Bonsoir, Obé, Amanda, c'est Père Vidrine. Oui, comment ça va, Père Vidrine? Bonsoir, mon père. Ça va bien, merci. Un autre natif de la ville plate, hein? Ouais. Oh oui, il y en a plusieurs. Oui, bonjour, bien bonjour, comme toujours. Et j'aimerais dire juste merci à Amanda pour tous ses travaux, ses ouvrages, pour les publications. C'est vaillant, merci, et merci de continuer de dire la messe en français. Oui, j'ai acheté le premier livre quelques années passées, c'était bien bon, Tourner à mes chiens, et bien sûr le dictionnaire quand c'était publié, c'est bien, bien important. Merci, merci. Pas de quoi, merci. Pas de quoi, bien merci. Mais tu connais, Robert, ça fait un bon segue en parlant de faire le lien entre l'oral et oui, l'écrit. Le, on a quelqu'un d'autre? Oh, wow! Jackpot, hein? Bonsoir, l'Académie cadienne. Bonsoir. C'est ici, c'est Vaola Fontenot. Et je veux dire bonsoir à Amanda. Et c'est tous les livres. Tonnerre, mes chiens. J'ai acheté peut-être 10 ou 15 de les tonnerres des chiens et donné des cadeaux. Ah. Le gros livre de dictionnaire et tout d'autres papas. Bien bon, bien bon. Beaucoup bon job. Merci, Vice. On va se parler bientôt parce que nous autres, on a un projet qu'on va discuter ici d'ici quelques mois. Hein? OK. À plus tard, ça. Merci, ouais. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça fait. On a
On a parlé pour le dictionnaire. Là, vous avez un segue pour nous dire un autre livre de la ville plate. C'est pas un livre de la ville plate, mais ça représente un monsieur monsieur Marion Marcotte qui vient des Avoyelles. Ah. Et Marion Marcotte, je crois qu'il est né à Moroville. Et pour le monde d'un certain âge qui se rappelle de l'avoir attendu dessus le radio, c'est les contes à Marion Marcotte qui vont se rappeler, comme l'eau hot de 27 et le pas de go. Et Marion Marcotte, il y en a qui disent, les Français qui l'ont entendu, ils disent que c'est le Rabelais de la Louisiane, du français louisianais. C'est un conteur d'un talent incroyable. Et ça fait, on a décidé, ben, c'est David Marcantel qui a lancé le projet de prendre tous les contes que Marcotte a publié avec Swallow Records, parce qu'il a sorti plusieurs plaques avec ses contes. Et ça passait à la radio et ça a connu un succès. Tout le monde racontait, tu sais, ça connaissait par cœur ces histoires. Ouais, il y en a un pour ce qui s'appelle le Peddler, et c'est moyen un satire de Dudley LeBlanc et Haricot, excepté pour lui, ça s'appelle Has It All. Son affaire, c'est Has It All. Et donc, David a lancé le projet de traduire en anglais et transcrire le français. Le français, oui. C'est ça qui est magnifique, c'est que dessus un bord, vous avez la version anglaise de l'affaire, et dessus l'autre bord, Vous avez le français. Je ne connais pas, j'essaie de faire voir ça, mais les lumières sont des grandes lumières, on ne peut pas voir les mots, mais... Mais c'est ça qui est... Et en plus, l'agnap, c'est en arrière. Oui, il a un CD. Il a fait les histoires, c'était des histoires, il connaissait... C'était le bébé de sa famille. Ah. Ça fait qu'il a été élevé à l'époque à l'époque de la veillée, où le monde se racontait dessus une galerie de maisons. Ça fait, et comme il était le plus jeune de la famille, il attendait les vieux raconter. Ça fait Floyd Swallow qui a publié ses premiers CD. Floyd est convaincu que lui et aussi Monsieur Coco là-bas, qui est annonceur de radio, a dit la même chose. Il dit, c'est des histoires qu'il a inventées, mais c'est sûr que c'est inspiré par toutes les histoires qu'il a attendues. Parce que c'est des histoires fortes, hein, des exagérations du monde qui fait des affaires. C'est moins un slapstick à force que c'est exagéré. Mais ce qui est bien, c'est que si quelqu'un veut apprendre, si quelqu'un parle français et veut apprendre à lire le français, tu mets la cassette et tu suis avec tu arrives à lire, parce que quelqu'un qui peut lire en anglais va utiliser le même skill set pour décoder le français. Et pour quelqu'un qui parle pas français mais qui veut apprendre le français, eh bien vous avez le français et puis vous regardez l'anglais l'autre côté, et à force d'écouter et de regarder, vous allez acquérir un tas de vocabulaire authentique et des mots où il a un vocabulaire absolument extraordinaire. Ça fait il était sur le radio, il appelle les plaques dans les quel temps, les 60, ben ça aurait été dans les années 60 qu'il a commencé, et c'était un musicien. Il s'imaginait, il jouait, il avait déménagé en ville. Et il s'avait trouvé un agent en ville et quelqu'un qui aurait essayé de publier de sa musique, de faire des plaques et tout ça, mais ça n'a pas trop bien réussi. C'était un musicien cajun? C'était un musicien, il chantait de la musique cajun. Mais il faut dire que c'était pas un musicien extraordinaire. C'était un musicien moyen. Mais il était assez populaire. Mais l'affaire, c'est que
Il cherchait, comme il ne connaissait pas un trop, trop grand succès avec, avec le beau qui faisait ses plaques en ville, il s'approchait de Floyd avec Swallow Records. Et, ça fait, et Floyd a dit, ben, écoute-moi, envoie-moi de tes affaires et je vais voir. Et d'après, Floyd raconte l'histoire dans le livre. Ah. D'après ce que Floyd raconte, un jour, il était dans sa shop et il y avait deux bogues là qui étaient... C'était du monde qui achetait des plaques pour mettre dans des jukebox dans Oh, le temps. oui. Ça fait, ils étaient après chercher de la nouvelle musique et Floyd les aidait. Et un des bogues était en avant avec Floyd et l'autre était en arrière. Et Floyd avait mis, Marcotte lui a envoyé un reel-to-reel Oui. tape avec sa musique. Et la musique a commencé. Mais à la fin de la musique, il a juste ajouté comme lagnappe. Un Une de ses petite histoires, en fait, histoire. c'était l'annoncement. Et c'est, il prend le rôle d'un homme qui mène un bal. Il a une salle de danse et puis il après dire à tout le monde comment il faut se comporter bien dans sa salle de danse ou bien il va les renvoyer. Ça fait le beau gars en arrière qui a acheté des affaires pour son jukebox. Il était plié en deux à périr. Ça fait Floyd et l'autre a été en arrière. Ils ont dit, mais qui c'est ça qui te fait rire autant? Et il a dit, mais, il dit, mais qui c'est ça ce bug-là? Et ça fait, ils ont remis la musique, ils ont remis Ah, l'affaire, le ils ont tape. tout écouté et ils ont trouvé ça Ah. magnifique, génial. Ça fait Floyd a dit, ben écoute, si je mets ça dessus une plaque, vous autres croyez que le monde passerait ça dans les jukebox ou tu crois que ça passerait aux radios? Et les deux ont dit, oh ouais, ça fait, il a contacté Marion Marcotte, il dit, Marion, t'as pas d'autres comptes comme ça. Oh, si j'ai des comptes. Ça fait, il a enregistré les comptes et c'est là où sa carrière a Juste démarré. une chance. Ouais. Juste une chance Ouais. qu'ils aient quitté. Là, il a joué, il vit pas toujours. Non, il est mort, oh, il est mort aux années 2000, je crois, au début des années OK, 2000. mais ça peut. Ouais. Mais le livre a juste sorti, hein? Le livre est C'est un nouveau livre. sorti juste avant Christmas et c'est publié par Tintamarre, qui est une toute petite maison d'édition à Shreveport, Ouais. avec Centenary College. Mais l'affaire, c'est que ce tout petit livre, le livre et le CD, 15 piastres. Ouais. Tu peux pas manquer. Tu peux pas manquer. Comme dit Floyd, là, tu peux pas, je ne peux pas acheter le CD pour ce prix-là. Ouais, Ça ouais. fait, c'est vraiment un cadeau qui s'offre au monde qui parle français ou au monde qui veut apprendre le français. Mais maman, Ça bien fait, je veux bon, ça fait. encourager tout quelqu'un qui aime rire Pour écouter et lire de et apprendre s'acheter à au moins une lire. copie de Ça ce fait quand vous livre-là. autres étiez avec ça ou le dictionnaire, la langue cadienne, c'était pas écrit, c'était une langue orale. Ça fait, c'était, je connais pas, peut-être aisé à la parole parce que c'était pas écrit en nulle part. Tout à fait. Ça fait, Tout à fait. vous autres. Ben, on a dû. Et puis, il y a des décisions à prendre pour comment on va représenter notre parler à l'écrit. Et des années passées, quand on a commencé à écrire, Barry Ansley en parle assez souvent quand il parle des premiers poètes du 20e siècle. Bon, il faut pas oublier non plus qu'il y a toujours eu des écrivains du monde qui écrivaient en français en Louisiane. Ce monde Oui. existait, surtout à la Nouvelle-Orléans, Oui. mais aussi à Saint-Martin, Sidonie, de la Houssaye. Tout ça, ce monde-là existait toujours, mais c'était du monde surtout qui avait une certaine éducation, qui était beaucoup en contact avec la France et tout ça. Alors que le Cajun typique n'aurait pas forcément eu une éducation en français. Il y avait des décisions à prendre. Et tout au début, on se disait, en autant que possible, on veut rapprocher notre français au français standard parce qu'on veut montrer au monde que c'est du français après tout. C'est Oui, pas oui. quelque chose de différent. Enfin, c'est différent, mais c'est quand même du français. On est dans la même famille. En autant que possible, on utilise le système orthographique que les Français usent.
Et petit à petit, on a décidé qu'il y a certaines d'autres affaires qui nous servaient mieux. Ça fait, on a grandi, on a mûri Oui, et on a c'est décidé, bon. il y a quelques changements. Donc, l'écrit, la manière d'écrire le français ici, c'est pas tout à fait le français standard, mais n'importe, je te garantis, n'importe quel Oui. français qui va ouvrir ça va Ça pas va avoir comprendre, ça va du comprendre. mal à comprendre Mais du tout. notre temps est proche fini. On veut remercier Amanda pour venir avec nous autres. C'est C'était mon bien plaisir. intéressant. Bien content de l'avoir. On vous souhaite tous une bonne Mardi Gras. On va vous voir dans 2 semaines. Et encore, bien merci d'être avec nous autres. Mon Bien plaisir. content. Ça fait. On a. Peut-être quelques secondes qui restent, mais C'est OK. c'était bien intéressant. On a appris Well, un temps. Et... juste pour, je vais faire un petit peu de publicité pour le livre encore, pour David Marcontel qui a tout mis ça ensemble. Contes, farces et folies, Marion Marcotte. Oui, c'est... Et les éditions Tête à Mort. Bien voyons. Bien merci. Merci. All right, bien merci. Oui, Okay. ça passe.